Eh ben alors c'est quoi ce bordel, nom de Dieu, de bordel de bite de bon sang de bonsoir, mais oh, et il se croit où le gars là? C'est 19h01, tu viens à 19h01 pour regarder un The Big Game of Ski, tu te fous de ma gueule. Et l'autre qui est arrivé à 19h-1, regarde où il est pendu déjà. Donc tu te méfies maintenant, assieds-toi. Voilà, tu vas mettre en plein écran cette vidéo. Oui, tu vas la mettre maintenant en plein écran, c'est important. Et oui, parce que aujourd'hui, on va réviser ensemble. On va faire un petit peu d'aéronautique, puisque on a bien mangé japonais hier. Et quand je dis on a mangé japonais, c'est pas qu'on a mangé des recettes japonaises, on a réellement mangé un japonais, puisque je vous rappelle qu'on est dans le Pacifique. Ça fait des mois qu'on attend le ravitaillement pendant cette deuxième guerre mondiale de merde qui dure et qui s'éternise. Faut pas croire que tout le monde va s'en sortir comme ça, quoi. Nous, on pense qu'il tombe, et ce qui tombe en général, c'est des avions, et de préférence, ennemis. Et donc aujourd'hui on va étudier en particulier cet avion, le P-47, dit P-47 Thunderbolt, un appareil qui une fois chargé de manière optimale pèse quand même 8 tonnes, mais arrive à se faufiler dans les airs pour protéger nos bons vieux corsaires qui vont passer au milieu, car vous connaissez tous le papy, et oui, non c'est pas moi, l'autre, Boeington, oui c'est bien lui, et donc du coup... Aujourd'hui, une fois plus, dans The Big Game of Ski, vous allez voir que la guerre c'est super, malgré que ce soit pas très recommandé. Mais bon là, il va falloir qu'on y aille. Donc aujourd'hui, on va se faire P-47 Aces, un petit shmup de 1995, si ma mémoire me fait pas trop défaut, et qui promet d'être assez violent, puisque j'ai fait un run, j'ai regardé comment il fonctionnait, et je me suis dit, oulala, il y a des parentés là les gars. Et quand je parle de parentés, je parle pas de petites parentés, hein, je parle de grosses. Moi il m'a évoqué ProGear, alors je sais pas si vous avez vu dans les streams la review de ce shoot, mais c'est exactement ça, on a un shoot horizontal, on a des patterns un petit peu torturés. Alors la grosse différence que ce P-47 qui le précède apporte, c'est un certain speed, mais ça vous allez le constater tout de suite avec mon run qui devrait être, comment dire, catastrophique, je pense. Je fais un petit silence pesant, histoire que la pression monte, c'est vachement important maintenant. Oui, j'ai appris à théâtraliser un petit peu l'émission. Et là, on vient de me dire que j'avais lancé tout sauf la bonne. Et là, j'ai mon vrai fail. La vie est extraordinaire parfois. Ah, je me déteste. Bon, je vais être obligé de remettre la musique hein, si ça continue. Ah, j'ai fermé la musique en plus. Bon, je vais la faire à la bouche puisque c'est comme ça. C'est un vrai fail de démarrage. Bah non, c'est pas la peine de nous mettre ta musique, mon ami, si tu n'as pas lancé l'affichage correctement. Le stream du Nawak, tous les jours à 19h. Ne le ratez pas. Please, 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 please. Je peux te dire en suédois si tu veux. Snälla. Oui, 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 en suédois, s'il vous plaît, ça se dit Snälla. Que de culture dans cette émission. Bon, si on parlait de boulettes un petit peu légales. Alors, du scroller horizontal, on ne peut plus classique, ça commence un petit peu à la Silkworm, mais ça dégénère très vite, puisque, regardez-moi ça, ça vient d'en haut, ça vient d'en bas, ça vient de devant, et j'ai mis mon t-shirt, ça doit venir par derrière, je pense. Alors, on sent qu'il y a quand même du gros pixel love hein, sur ce titre de 1995, puisque c'est quand même relativement détaillé, même si la résolution en elle-même est pas terrible. Et nous avons la sergente Jodie S. Nous avons la sergente Kim Blair. Tout cliché serait purement involontaire. Nous avons le capitaine Oncle, qui est donc... c'est de la famille, c'est normal. Et nous avons le sergent Harry, qui bien sûr n'attend qu'une chose, c'est vous dire « Make my day, punk ». Je crois qu'on va pas se laisser une deuxième démo, on va foncer dans le titre, puisque vous allez voir que je vais rapidement couiner en toute logique, vu que le jeu est relativement raide. Ceci dit... il n'en demeure pas moins jouable. Je vais prendre.
Oui, je suis un cadet, je suis naïf, je suis jeune, donc je démarre. Alors, que se passe-t-il? Salut Rebecca. Oui? Une proposition d'aller au resto ce soir? Comment tu vas, toi? Piu piu piu, tir chargé, y a pas. Bon, ok. Méga bombe, oui, réglementaire. Alors moi, les shooters horizontaux en format 4 tiers, c'est un truc que ça me fait un peu flipper. Hein. Surtout quand c'est du plein écran 4 tiers. Je me sens pas bien. Je me sens pas très très bien. Faut les mériter les bonus, hein. Oui, yoï, 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 yoï. Ta mère. Alors on va noter quand même que dans ce titre, la spécialité c'est les tirs croisés. Hein. Il y en avait à l'époque qui fabriquaient des soutifs, ou c'était l'argument de vente du soutif. Je crois que pour ce shmup, c'est le même argument, le tir croisé. Ceci dit, mesdemoiselles, je vous déconseille de croiser quoi que ce soit dans vos affaires, ça peut être désagréable. Non, 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 pas sur moi. Putain! Alors là j'y arrive parce que bah, j'ai lancé une partie juste avant et j'ai fait ce niveau. Donc je sais à peu près ce qui va se passer, mais vous allez voir au deuxième tableau. Vous allez surtout l'entendre, je pense. Ce vont être des cris, des pleurs, et des égosillements, probablement. C'est speed, c'est très speed, c'est trop speed pour moi. Je crois que je vais faire un petit AVC. Rebecca, Rebecca, reviens me voir. Tu vas venir un briefing, mais je vais essayer de te choper ce soir. Une petite pizzeria, ça te dirait? Allez. On y va? Cool. Comment ça, tu préfères la choucroute? Bon, 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 bon. Mais regardez-moi qui voilà derrière. Il fait une feinte. Il fait une feinte, je le sens. Hop, 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 hop. Et là, je pense que je vais quarner, je vais queener, je vais faire plein de bruit, plein de d'onomatopées et pour exprimer cette violence gratuite que je subis. Alors que le décor réduit mon espace. C'est l'heure de bomber. Le décor réduit mon espace vital de manière dramatique. Alors des hauts bas, vous allez en faire les gars, hein, je vous le dis tout de suite. Je spoil. Parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire là. Je n'arrête pas de bouger. Il n'y a aucun moment où on peut être statique sur cet écran. Cette méchanceté gratuite est incroyable et elle ne passera pas. Non, 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 non. Oh, je ne serais pas remonté ça passer. Mais non! Alors, autre truc. La microseconde d'invincibilité, t'aurais pu l'augmenter, mon gars. Regardez-moi cette belle bombe, ce méga tir, c'est quoi? Qui m'attend? Non! Adieu, méga tir, pouvoir de la mort et tout ça. Aïe, 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 aïe! Je tire où là? Je passe où? Je fais quoi? Madame? Madame, madame, madame! Oui, 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 oui! Ah mais j'avais dit que je couinerais sur celui-là. Hein. J'ai repéré le monstre. J'ai vite compris ce qui allait se passer. C'est ça, va t'essuyer sur le paillasson avec ton gros avion. Ce jeu est speed. Ce jeu est très très speed. Alors je sais pas si c'est pas un peu l'ému qui accélère les choses. C'est fort probable, mais pas que. Je pense qu'à l'origine, il est déjà dessiné comme truc speed. Rebecca! Alors, j'ai réfléchi. Une choucroute. Why not? Mais, franchement, c'est pas très équilibré. Et on y retourne! Oh, putain, les vitesses de tir, mais laisse tomber! Salut! Oui, bah bon, bah, c'est réglementaire, là. Je crois pas que ces cadences de tir soient agréées par l'ONU. La quantité d'avions que je passe, c'est incroyable. Oui, ben je dégage le terrain parce que sinon je vais pas pouvoir profiter de mon super tir et ce serait ballot. Parce que regardez-moi tous ces. Je peux pas parler là, c'est trop much. La vache. Ce P47 Aces est d'une cruauté, j'espère qu'il y a des limites, parce que je ne vais pas y survivre.
à moins d'insérer le PIB d'un pays que je vous laisse déterminer d'ailleurs. Non, tu n'es pas dans South Park, tu es bien dans The Big Gamoski. Ce n'est pas le père de Kyle qui s'aimait à la chanson, mais on n'en est plus très loin. La vache, non. Vous êtes obligé de bomber. Je suis obligé de bomber pour passer dans ce bordel. Diable, que tu es dur. Diable, que tu es difficile. Diable, que tu as plein d'idées. La vache. Mon avis, c'est il faudrait ce jeu, mais avec une vitesse un poil ralentie. Regardez-moi ces patterns du vice. Non. Oh putain, mais j'ai fait comment moi? On avait dit quoi? C'est écrit quoi sur mon t-shirt? Pas par. C'est le stream de la honte aujourd'hui. Je me fais démolir par ce jeu. Mais t'as pas le temps de te positionner où tu veux ou quoi? Ça rattaque direct et les vitesses de tir, je le répète, je le réitère, elles sont purement indécentes. Tiens, je te bombe. Ah! Savez quoi les aminches? Je pense que ce jeu va y avoir deux streams dessus. Il va y avoir le dépucelage auquel vous assistez aujourd'hui, qui est une pure déculottée, hein, comme on dit dans le terme technique. Je sais pas où me mettre, mon gars. Je vais te bomber à répétition, histoire de passer, toi, mais je vois pas d'autre chose à faire. Laisse-moi ramasser ça, ne me tombe pas sur la gueule. Ce jeu est d'une difficulté relativement inhumaine. Et c'est super dommage, parce qu'il a plein de trucs qui font penser à son aîné. Non, pas celui-là, l'autre, et qui est pro-gear, et qui, lui, bah, arrive à vous arroser de boucaquets complètes de boulettes. N'écoute pas, Rebecca. De boucaquets complètes de boulettes, elle sait pas ce que c'est pas, j'en profite. Et reste tout à fait jouable. Là, on a moins de boulettes que dans pro-gear, mais on a un coef vitesse qui est un poil abusé, je trouve. Donc ce jeu, d'emblée, on va le réserver au hardcore du shmup. Tu es un amateur. Tu veux découvrir le shmup, surtout ne lance pas ce jeu. Ne lance jamais ce jeu avant de t'être fait les dents sur un autre titre qui lui t'aura permis de t'entraîner rudement et de connaître quelques patterns d'avance, puisque ici, si tu connais pas les patterns et comment ça va se croiser, tu es mort. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit le plus souvent dans cette partie. Je sais pas combien de zinc j'ai passé, c'est improbable. Je vais même pas parler de la lisibilité parce que j'ai pas eu le temps de la vérifier. Vu que mon regard arrête pas de balayer l'intégralité de l'écran pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et j'avoue que je comprends rarement ce qui se passe vraiment. Vous avez pu le constater. Calmos. Alors, avec la vitesse du jeu, le truc qui est un peu contrariant, c'est que... disais donc, avec la vitesse du jeu, ce qui est un poil contrariant, c'est que... c'est qu'il y a des moments où il va vous demander quand même de vous caser à des endroits à peu près précis de l'écran pour être safe. Moi, je passe dans le bateau, moi. Ouais. On m'a dit fait du bateau, j'ai des bombes, j'en profite. Parce que ça va pas durer, ce cirque. Et non, ce jeu est d'une difficulté diabolique. C'est vraiment très très dommage parce que si ça avait été bossé un petit... Quoi? Je l'avais même pas vu cette tourelle. Si ça avait été bossé un petit poil plus, on avait un super jeu quand même. Accessible, ce qui n'est pas vraiment le cas. Alors je vais avancer encore un peu pour faire le mec sympa, mais je vous garantis que finalement je vais être très très content d'arrêter ce stream parce que... Du coup c'est pas du plaisir que je prends là, à moins que une séance bondage à la fistinière soit votre trip, mais... Ouais, j'aurais peut-être pas dû le dire en cet endroit-là, mais... c'est à peu près ça, quoi. J'ai l'impression d'en prendre plein. Mais alors, plein. Vous savez, je suis attaché sur le truc en croix, là. Et puis, il y a des gens habillés en cuir autour de moi. Ils rigolent un peu. Puis, ils font...
claquer leurs différents accessoires dans la main comme ça. C'est exactement ça. Je suis dans la cave de Z. Je suis dans la cave de Z, c'est exactement ça. Ce jeu est la cave de Z du chemin. Et ça va faire mal. Ça ne se passera pas bien. Oh non, 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 c'est pas possible ça. Non, 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 et ça continue de tirer. Et ça repart en marche arrière. Non, mais laisse tomber. P47 Ace, ce jeu est interdit aux mineurs. Je le décide dès aujourd'hui, quoi. Interdit aux mineurs, aux femmes enceintes, aux militaires aussi. Parce qu'un militaire, c'est pas très malin, et pour patienter des boulettes, je les sens pas, ils sont mal barrés, les gars. Il va être interdit également aux pompiers, aux ambulanciers, aux élus politiques. Mais bon, élus politiques, à part jouer avec du pognon, ça sait faire quoi. Voilà, voilà. Donc, je le répète, ce jeu est à réserver aux professionnels de la boulette, aux accros du shmup hardcore, à ceux qui savent résister et qui ont des nerfs d'acier que je n'aurai pas aujourd'hui. Je vais arrêter ici, je jette la manette. Oh, oh, enlevez-le-moi, enlevez-le-moi. Il me prend mon groove, il me prend mon énergie, il me prend ma zénitude. Je suis dans un état, mes mains tremblent. je peux plus. Un sac en papier, vite. P47 Ace, est-ce que tu iras dans la malle au grenier avec tous les shmups maudits? Non, tu ne mérites même pas ça, malgré ta grande cruauté. Tu vas aller dans les sélectionnés, mais comme je l'ai dit pendant tout ce stream, tu es réservé à une élite. L'élite qui a les réflexes, l'élite qui a la volonté, l'élite qui a les nerfs d'acier, pour pouvoir affronter ton gameplay qui est d'une cruauté, et pourtant juste avec deux boutons, quoi. Voilà les amaches, on aura fait le tour de ce P47 Aces en combien de temps? 15 minutes j'aurais tenu quand même, j'aurais pas cru tenir de temps. Quand j'ai lancé la première partie, je me suis dit, je vais en baver pour faire les 5 minutes obligatoires où je fais voir le jeu. Bon, vous voyez que le truc est intéressant, mais très très dur. Vous avez tout compris. Je vous laisse avec les playlists habituelles. Je vous donne rendez-vous à demain, 19h. Continuez de vous abonner. On est bientôt au point où on va pouvoir avoir une URL intelligible pour accéder au stream. Ça va être sympa. Ciao.